Voici Rosita, la première vache clonée transgénique. Née en avril dernier en Argentine, ce bovin a été génétiquement modifié pour produire du lait maternel. Rosita possède deux gènes présents dans le lait humain. Selon les chercheurs de l'Institut National de Technologie Agricole, l'objectif est d'améliorer la valeur nutritive du lait de vache en ajoutant la protéine lactoférine qui apporte une protection antibactérienne et antivirale et la lysozyme qui est aussi un agent antibactérien. Cette semaine, des scientifiques chinois ont annoncé avoir réussi la même expérience. Ils espèrent pouvoir commercialiser le lait maternel d'ici 3 ans. Pékin estime que ce lait pourrait être très utile dans les régions sous-développées et plus particulièrement en Afrique.